Bonjour tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo de Dauphin Best ACNL. Alors, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait Astrid sur la place. Et en fait, j'ai été lire mon avenir. Mais je ne savais pas qu'on... Parce qu'en fait, j'ai jamais été chez Astrid. Et si j'étais une fois. Mais... je ne savais pas qu'on ne pouvait pas revenir. Du coup, comme j'y étais, je me suis dit, ah oui, je pourrais faire une vidéo et tout ça. Et non. Du coup, voilà. Donc, voilà. Mais j'ai quand même fait une vidéo sur ça. Alors, donc ça, je vous avais dit dans ma routine ACNL qu'il y avait ça de nouveau. On va aussi présenter les nouveautés, voilà, donc il y a ça, j'ai envie, voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui, ça va être une horloge illuminée, voilà, alors, donc il y a, je suis trop, je vais continuer jusqu'à ce qu'on soit arrivé, trop contente, parce qu'il y a un nouvel habitant. Et devinez c'est qui, donc je vous laisse, mettez sur pause, malgré qu'il m'ait pété mon chemin. C'est Lico, c'est Lico. Donc là, je suis en délire total. Une licorne. Nous qui adorons les licornes, nous avons une licorne. Oui. En fait, il y avait quelqu'un dans le camping, mais je vais vous le montrer. C'est Monique. Et en fait, au départ, je me dis, est-ce que je la prends? Mais j'ai même pas réfléchi. Et je voulais la prendre. On a fait pierre, papier, ciseaux, bien sûr. Comme je perds toujours, parce que j'ai perdu. Et je suis dégoûtée. Donc, c'est vrai, elle a quand même un peu de maquillage et tout ça, mais un chat. Je veux des chats. C'est quoi cette musique? Mais j'ai pas su la voir. Alors, donc je vais vous. Il y a Astrid, donc, qui s'est installée comme je vous l'ai dit. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a lu dans mon avenir. Et on va aller tout de suite chercher après. Voilà ma petite Astrid. Genre elle était jamais venue. Elle était juste venue une fois, mais moi je venais pas. Donc une robe à carreaux. Cet objet est le chaînon manquant vers une route radieuse. D'accord. Donc nous allons chercher cette petite robe à carreaux. Juste vider mes poches. Alors, on va enlever. Voilà, j'ai enlevé quelques objets. Alors, elle m'a dit que c'était chez Méliméo, mais j'ai du mal à y croire parce qu'une robe à carreaux chez Méliméo, je ne vois pas du tout. Donc, nous allons aller voir. Alors. Bonjour Pietro, on va y aller. Bien bonjour Andrevite. Qu'est-ce que j'avais dit? Mais j'en ai marre, tous les habitants se mettent genre comme ça. Enfin ceux qui sont partis se mettent comme ça. Achetez-moi, j'ai déjà fait la blague dans une autre vidéo, mais voilà. Oh, une petite glace. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, une lampe cornée glace belge, n'est-ce pas? Combien ça coûte? 1120 clochettes, c'est pas cher, hein? Dans la vraie vie, si. Ça t'intéresse? Oui, j'accepte. Malgré tout. Parce qu'en fait, je voulais faire une cuisine. Et ça serait bien une petite lampe glace. Alors, maintenant, on va aller chez les sœurs de l'atelier parce que je crois que là, il pourrait y avoir une robe à carreaux. Alors, merci de ta visite, reviens vite.
Alors, histoire d'oie de fée, me voilà. Entre, bienvenue. Alors, qui a mes petits motifs? Une robe chic, un pantalon de pyjama, et le reste, c'est pas du tout. Par contre, là, il y a des carreaux. C'est peut-être une robe à carreaux. Ouais, mais bon, je peux pas l'avoir. Voilà. Donc, on va aller aussi un peu voir si je peux prendre des trucs pour Halloween. Par contre, je crois que je ferai pas de vidéo sur Halloween parce que je suis avec quelqu'un ce jour-là. Et du coup, je peux pas faire de vidéo. Donc, on en fera peut-être une sur la chaîne de Panda Smile. On va reculer le temps. Donc, voilà. Alors, ma... Pourquoi j'ai dit ma... bonjour. Le masque du loup-garou, je l'ai déjà. Par contre, ça m'a l'air bien. Très bon choix, c'est un chapeau paille ruban. C'est destiné aux femmes. Autant dire que ça tirait comme un gant, Célia. Son prix seulement 320 petites clochettes. Alors, convaincu, je prends. Oh, merci beaucoup. Super, Célia. 320 clochettes, le compte y est. Oh, Célia, j'ai failli oublier. C'était moins une. Nous avons pour habitude d'offrir un petit cadeau à nos clients les plus fidèles. Je le mets avec le reste de tes affaires dans ton inventaire, d'accord? C'est un mannequin que tu peux utiliser pour exposer vêtements et accessoires. Connaissant ton goût pour la mode, Célia, je me suis dit que ça te ferait plaisir. En plus, une fois ce mannequin habillé, tu peux revêtir sa tenue en un clin d'œil. C'est très commode. Pense à t'en servir une fois chez toi. Et ben, je suis étonnée. J'avais un mannequin, mais je me suis dit, je vais jamais en avoir encore un autre. Et là, tout d'un coup, il me donne un mannequin comme ça. Donc, je suis contente parce que j'en avais qu'un. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Alors, Halloween, c'est le 31 octobre. Et moi, j'ai rien sur Animal Crossing. J'ai juste des masques, mais j'ai pas genre d'habits. Moi, je voulais me déguiser genre en Moby ou un truc comme ça. Mais non, je n'ai rien. Bonjour. Alors, on va faire demi-tour. Alors. Donc, là, je compte faire genre plein de fleurs noires. Et peut-être mettre, enfin je l'ai pas encore débloqué, un cœur illuminé, ça serait beau, je trouve. Enfin, on sait pas. Alors. Bonjour. Nana, ça fait depuis longtemps que je n'en ai plus parlé. Et j'ai peur qu'elle parte en fait, mais je la trouve pas. Là, j'avais trouvé un objet perdu. On peut peut-être... Ok, il n'est plus là. Il n'est plus là. Quelqu'un l'a sûrement ramassé. C'est très bien. Ça, c'était mes affaires quand j'ai fait le petit coup, même si je vous l'ai déjà dit 10 000 fois. Mais vous voyez, quand j'avais l'habitude, tu vois, de courir comme ça, même si je... C'est pas très prudent de courir dans ma ville. Et maintenant, je vais faire ce contour-là. Oui, voilà. Petit contour. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Ouais, il y avait un... Ah, bonjour, cachot. Il y avait Annabelle. Yeah. Ouais, je vous ai déjà montré. À la fin, je sais plus est-ce que je vous ai déjà montré, oui ou non. Annabelle, je suis sûre. J'ai entendu dire que tu aurais un module de canapé. Oh, cela fait si longtemps que j'en cherche un. Hey. Puisque toi et moi sommes amis, déesse, je me disais que tu voudrais bien me vendre cet objet. Combien tu offres? Puisque c'est toi, je vais te proposer un bon prix. Voyons, disons 720 clochettes. Non, merci. J'ai pas trop envie de le vendre. Alors c'est non. Oh, j'en avais tellement envie. Bon, je demanderai à quelqu'un d'autre.
M'énerve un peu ce phare parce qu'il n'est pas au milieu. Ah oui, aussi, il y avait... il y avait à l'horloge illuminée, j'avais fait ça sur le côté. Enfin, il me manque une fleur. Mais je voulais voir si vous aimez bien. Parce que je trouve qu'avec ça, ça fait un peu bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Je voulais mettre ça devant ma maison. Je me suis dit, ah non, ça serait bien un cœur. Mais non, je préfère le cœur quand ça doit se faire dans un champ de fleurs. Enfin, voilà. Je sais pas si vous avez compris. Allez, il y a aucun beau qui parlait. Parce que si je parle à un moche, il va encore plus rester. Et ça, je veux pas. Donc, on va reparler à Cachou. Oui, déesse, tu avais encore besoin de moi. Aurais-tu quelque chose à me dire, hey? Point de neuf. Je me demande quel dessert accompagnerait idéalement du couscous. Un fruit sans doute, mais lequel? Je n'ai pas de préférence en fait. Je pense que n'importe quel fruit accommoderait avantageusement ce plat. Hey. Déesse, aurais-tu un fruit à me donner? Ou peut-être pourrais-tu aller m'en chercher un, s'il te plaît? Volontiers. À chaque fois que tu parles à Cachou, elle a quelque chose à te faire faire. Hein. Oh, merci infiniment, déesse. Tu ne regretteras pas ton geste. Je l'espère. Alors, des petites pommes. Mon fruit de base, on va dire. Ok. Je vais prendre quelque chose en main. Et voilà. Alors, on va aller lui donner, hein. Pauvre petit fruit tombé de son arbre depuis des années qu'il était là. D'ailleurs, ça fait presque un an que je joue sur Animal Crossing. Et en... Enfin, c'est peut-être pas presque, mais aussi bientôt les 1 an de la chaîne. Donc voilà. Alors, ma petite Cachou. Et non, encore et encore et encore. Oui. Je suis toujours ravie de te rencontrer, même si c'est 100 fois par jour. Alors, dis-moi, que puis-je faire pour toi, déesse? Tu veux goûter? Oh, mon fruit! Hey! Donc, tout petit fruit est une pomme! Je vais me régaler! Hey! Ce fruit est bon, il faudrait être difficile pour ne pas apprécier une telle pomme. Accepte le pull 5 que voici en remerciement de tes efforts. Moi, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Oula. Maintenant, je sais à qui m'adresser pour mes petites envies fruitières. DSI. Maintenant, il m'appelle DS. Genre, je les vois bien accroupis comme ça. DS. J'attends que tu partes, mon petit Charles. Donc là, il y avait. Je sais pas si je vous ai. Je crois pas que je vous ai dit en fait. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est parti, grognon. Du coup, j'ai pu refaire mon chemin parce qu'il me bloquait le chemin. En fait, je lui avais jamais parlé. Du coup, il est parti direct. Et je crois que je l'avais jamais énervé. Non, je l'avais jamais énervé. Bon, là, vous avez beaucoup de choses à me demander. Hein. Hé, hey, DS, je me disais, t'en as pas marre que je t'appelle tout le temps DS. Ça fait que depuis une semaine que tu m'appelles DS. Je suis super balèze pour donner des petits noms aux gens. Ça te dirait que je t'en trouve un? Soyons fous! Hé, qu'est-ce que tu en penses de ça? Biscotte. Pas mal, hein? D'accord. Je vais mettre j'aime bien. Bien, Jouvent. Sale, ton souverain te nomme Séan Biscotte. Ok. Voilà que je me prends pour ton roi maintenant, hey. D'accord. Retourne t'endormir, mon petit Jojo. Tu n'es plus dans le monde. On va essayer de l'énerver parce que d'habitude, tu vois, il est en dépression. Ouais, bon. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là.
que j'ai plus rien à dire. Donc salut tout le monde et à la prochaine vidéo. Parce que je crois que la vidéo elle va durer tout longtemps. Parce qu'en plus il va même pas s'énerver, ça va être bête. Je suis sûre que je vais prendre des heures. Donc salut tout le monde et à la prochaine vidéo. Bye.